Mon Afrique, Afrique vertueuse, Afrique, continent de tous les idéaux, cette Afrique qui passe pour être un continent frustre qui n'a jamais rien apporté à la civilisation. L'on parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être, dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, une fois de plus, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision. Religion et développement, le cas du christianisme et de l'islam, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre de votre émission hebdomadaire Kamita, émission spéciale parce qu'elle reçoit l'ontologue, le métaphysicien, l'égyptologue Tott, abonné, émission qui sonne comme une mise au point relative au dire de certains internautes, de certains téléspectateurs et abonnés qui, suite à l'émission donnée par le patriarche, le doyen Biloa Essi, notamment sur des religions importées et leur frein au développement du continent africain, ces abonnés, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ils nous ont fait savoir à travers leurs commentaires que les pays européens, les pays asiatiques ont également hérité, n'est-ce pas, de ces religions importées, mais cela ne les a pas empêchés de se développer et d'être riches aujourd'hui, contrairement à l'Afrique qui se morfond sur son sort et qui a toujours un doigt accusateur et pointé sur les religions, n'est-ce pas, qui contribuent au frein à leur développement. Kamita étant une émission pédagogique, les principes scientifiques étant immuables, il est important de faire cette mise au point pour nos téléspectateurs afin que définitivement qu'il n'y ait plus de confusion, n'est-ce pas, concernant ces sujets. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme il est de coutume dans cette émission, permettez-moi d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants afin que tout au long de cette autre édition, qui nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Tout abonné, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Kemet Télévision. Au TEP Majang Nyamsi, au TEP à tous les Shem Souro, à tous les Shem Soumarab, à tous les Shem Soudjeouti et à tous les Shem Soura. Ma kon min bese mina metan mina botiswam mina mina misminasi to mina mintan. Bonjour à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Je suis là aujourd'hui, une fois de plus, pour une mise au point telle que cela a été annoncé par le frère de combat Nyamsi Yomba, suite à l'intervention du patriarche Biloa Essi qui a suscité beaucoup de réactions, une vague de réactions qui nous a interpellés sur la nécessité d'une mise au point, notamment en prenant les bases sur l'histoire des civilisations, l'histoire des religions et l'histoire du symbolisme dans son sens global, sans oublier l'aspect scientifique, politique, économique et même géopolitique. Donc toutes ces questions seront imbriquées pour pouvoir montrer quelle approche du développement que les frères et les sœurs de l'Afrique noire devraient avoir dorénavant, au lieu de se cantonner sur une vision bancale ou même étriquée et restreinte du concept de développement. Voilà qui est dit en lieu et place d'un débat, comme vous en avez l'habitude sur ce plateau tous les samedis lorsqu'il est 10h30. Il a si bien dit... place à une mise au point. Voilà, Tott, avant de définir les différents concepts, la thématique religion et développement, alors qu'est-ce que ça vous inspire? La thématique religion et développement, notamment le cas du christianisme et de l'islam, nous interpelle d'abord à clarifier ce qu'on entend par religion et ensuite ce qu'on entend par développement, et montrer l'impact que le christianisme et l'islam ont eu sur le peuple noir depuis leur avènement. Et nous allons aussi répondre à ceux qui prétendent que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont d'origine africaine et que ces religions ne parlent que leur langue. Nous avons suivi de manière très minutieuse les réactions des uns et des autres et nous allons y répondre minutieusement. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement chez vous. Nous allons prendre une toute petite respiration. On se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien. Alors, tout abonné, après la mise en bouche, comme on a l'habitude de le dire, nous allons donc passer à la définition des concepts. Nous avons deux concepts, la religion et le développement. On va commencer par la religion et ensuite, on verra s'il y a une corrélation entre les deux concepts. Alors, comment peux-tu définir le concept de religion? Permets-moi de te tutoyer, nous sommes en Afrique, et en Afrique, on ne dit pas vous. Donc, tout à fait. Voilà. Ok. Tout à fait, on ne dit pas vous, on se tutoie parce que la vision africaine du monde est une vision communautariste et non individualiste. C'est lorsqu'on entre dans l'individualisme qu'il y a le culte de la personnalité. Alors que dans notre pensée, cette logique existe aujourd'hui suite à une contamination idéologique avec l'avènement notamment des colons et tout ce qu'on connaît. Eh bien, nous allons démarrer par la définition du concept religion. Le mot religion que les gens emploient tous les jours et dont beaucoup ignorent l'étymologie, il faut d'abord commencer par déterminer cette étymologie. Ce mot est issu de deux mots latins, à savoir religio, c'est-à-dire religion, et du verbe religare, qui signifie relier, c'est-à-dire relier quoi? Dans la pensée de ceux qui ont émis ce concept et ceux qui ont hérité de ce mouvement, je dirais, dogmatique, dans leur pensée, ils estiment que l'homme est coupé de Dieu et qu'il faut le relier à Dieu. Maintenant, il faut le relier à Dieu. Pour quel but? Bien évidemment pour le bien-être, bien évidemment pour le bonheur, bien évidemment pour la vie éternelle, et laquelle vie éternelle se passe en dehors de toutes les souffrances qu'on puisse imaginer dans la vie de l'homme. Mais la question fondamentale se pose. Mais à quel Dieu le lit-on? Et c'est là où nous sombrons donc dans beaucoup d'errances. Le Dieu des religions, il faut d'abord mentionner qu'il y a trois religions principales. Parce que le bouddhisme n'est pas une religion. Le taoïsme n'est pas une religion. Le syrianisme n'est pas une religion. Si on emploie l'expression religion pour la coller à ces mouvements, ces mouvements spirituels, c'est par abus de langage. Et je vais y revenir pour expliquer pourquoi ces mouvements-là ne sont pas des religions. Justement, il était important de souligner que ce sont des mouvements et non une religion. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on reconnaît fondamentalement comme religion, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pourquoi les reconnaît-on comme une religion? Parce que ces mouvements dits spirituels, entre guillemets, parce que je ne pense même pas que ce soit des mouvements spirituels, je pense plutôt que ce sont des mouvements dogmatiques, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses codifiées que les individus ont arrêtées sur la base de leurs intérêts, sur la base de ce qu'ils trouvent comme vérité, et qui a été imposée aux générations qui ont suivi cette époque-là. Donc, notamment, nous parlons du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et quels sont donc D'ailleurs, ceux qui ont développé le concept de religion, notamment les Romains, l'ont développé en rapport avec le christianisme qui lui-même est lié au judaïsme. Et les deux qui ont engendré plus tard l'islam. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'on ne pourrait pas qualifier aussi le bouddhisme de religion. Mais ceux qui ont entretenu le concept religion, religio, religare, ce sont les Romains. Et nous savons que lors de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire l'Antiquité finissante, le dernier grand empire qui a régné, c'était l'Empire romain. Et suite à ce règne, il y a eu un pillage de beaucoup de centres intellectuels, beaucoup de centres spirituels, beaucoup de temples et autres. Et il y a eu une appropriation, une confiscation même de ces savoirs pour les remouler d'après la vision des Romains. Et il faut préciser que c'est celui qui règne qui donne le pas et qui donne l'ordre, qui donne le rythme à toute chose. Net comme nous avons vu les États-Unis, jusqu'à un certain moment, après la chute du mur de Berlin, de 1989, jusqu'aux années 2008, lorsque certains pays comme la Russie et la Chine, ayant retrouvé leur force et leur puissance, ont commencé à opposer à l'hégémonie américaine une fin de non-recevoir. Donc c'est la même chose qui s'est passée avec les anciens empires. Lorsqu'un empire est en place, c'est lui qui impose la vision des choses. Donc, le mot religion revient donc strictement aux trois religions dites monothéistes, dites monothéistes, il faut préciser cela, en mentionnant même déjà en passage que le monothéisme n'est pas le propre, n'est ni le propre du judaïsme, ni le propre du christianisme, ni le propre de l'islam. Et lequel monothéisme on pourrait même remettre en question parce que dans le livre, le livre de chevet, nommé la Bible et d'autres parlent le Coran, on parle bien de Yahweh, c'est-à-dire Jéhovah, on parle de Elohim, on parle de Adonai, qui ne sont pas la même chose. Parce que Yahou, le mot Yahou signifie une puissance, une force lunaire, ce qui souffle, ce qui disperse, ce qui renverse. Donc, lorsqu'on entre dans la langue arabe pré-islamique, on retrouve ce que ce mot signifie et on se rend compte qu'il est lié au vent, aux tempêtes et tout ce qui est désastreux. Lorsqu'on entre dans le concept Elohim, dans Elohim, nous avons Elle. Parce qu'il faut préciser que ce mot a muté. C'est pour ça qu'on parle d'une linguistique historique. C'est-à-dire que le mot Elohim n'est pas propre au peuple juif. C'est un mot qui existait déjà avant même que les Hébreux ne puissent commencer à l'employer. C'est la même chose avec Yahou, dont on retrouve l'inscription sur une stèle, notamment la stèle d'Amenhotep III, qui était le père du pharaon Akhenaton, dans son temple d'Amon à Soleb. Donc cette inscription Yahou existe bel et bien avant la naissance du peuple d'Israël et tout ce que vous connaissez. Donc ça veut dire que les juifs ne détiennent pas la paternité non seulement de ce vocable et même de ce concept. Bien évidemment, ni Elohim, ni Yahou, ni Yahweh, ni même Adonai. Parce que même Adonai, c'est un mot composite où il y a Aton, c'est-à-dire le dieu, le disque solaire, adoré par le pharaon Akhenaton, le pharaon hérétique, il faut préciser, et je vais revenir dessus. Il était un hérétique et il a même été banni et maudit par les prêtres d'Amon. Adonai. Et donc, il y a une combinaison entre Aton et Aï. Aï, c'était le prêtre initiateur, celui qui a initié le pharaon Akhenaton. Et je précise qu'avant l'existence de ce Aï, il y a un Aï qui a existé 400 ans bien avant. Donc, Aï, c'était le prêtre de l'Égypte pharaonique, un prêtre, bien évidemment, qui était aussi dans une tendance hérétique, qui a initié donc, qui a beaucoup influencé le pharaon Akhenaton. Et on appelait ce prêtre le Père divin. Donc, il a été divinisé et c'est la raison pour laquelle on a donc créé une conjonction entre Aton et Aï. Et c'est devenu Adonai. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec Elohim. Elohim, maintenant, ça signifie quoi? Le mot Elohim est d'abord un mot hébreu qui désigne le pluriel. Parce que ceux qui savent lire le hébreu, Elohim, ça signifie les dieux en hébreu. Mais fondamentalement, Elohim ne signifie pas les dieux, mais les dieux de quoi? Il faut préciser de quel dieu il s'agit. Donc, Elohim vient du singulier Eloah. Eloah. Et Eloah vient du mot Elle. C'est Elle qui est donc un dieu, généralement qu'on nomme aussi un dieu cananéen, un dieu mésopotamien. Mais en réalité, c'est Elle vient de la sémitisation de la divinité sumérienne qu'on a appelée Enil. C'est-à-dire quoi? Les Sumériens avaient une divinité qui était le dieu du vent. Quand je parle des Sumériens, c'est un peuple de l'Antiquité qui était en réalité à l'origine noir. Parce que les premiers Sumériens, c'était des Noirs. Effectivement. Donc, ils avaient le grand dieu qu'on appelait Anu, qui était le dieu de la lumière. Ils avaient le dieu de l'air ou du vent qu'on appelait Enil. Ils avaient le dieu de la terre qu'on appelait Enki. Et ils avaient le dieu de l'eau qu'on appelait Apsu. Voilà. Ça signifie qu'il y a plusieurs dieux. Et le grand dieu du panthéon sumérien, c'était Anu. Et il faut préciser que ce dieu de la lumière, qui est aussi symbolisé par le soleil, ce même Anu se retrouve dans le panthéon égyptien. À travers... Non, Iunu, c'est ça qui est devenu Héliopolis, c'est-à-dire la ville du soleil. Effectivement. Iunu signifie la ville du soleil. Et les autres ont appelé ça Eon ou bien Ou, On, etc. Donc, Iunu, c'était la ville de Ra. C'est ça que les Grecs ont nommé plus tard Héliopolis. Donc, vous voyez la corrélation entre le dieu sumérien Anu et Iunu. Anu, c'est-à-dire en égyptien, qui signifie la ville du soleil, la ville de la lumière. Donc, le grand dieu dans le panthéon sumérien, ce n'était pas Enlil, mais c'était Anu. Donc, Enlil est une dérivée, c'est-à-dire une divinité qui émane donc de Anu, c'est-à-dire le dieu du vent. Et c'est ce dieu du vent, lorsque les sémites, les peuples sémites, c'est-à-dire les ancêtres des Hébreux et des Arabes, lorsqu'ils ont réussi à avoir un premier roi nommé Sargon d'Akkad, qui a régné autour de moins de 2250 ou moins 2300, c'est-à-dire avant l'ère actuelle, quand on met moins, ça signifie avant l'ère actuelle. Le premier roi des Sémites, donc, c'était Sargon d'Akkad. Celui par qui Moïse a été justement imité plus tard. Oui, bien évidemment. C'est Sargon d'Akkad, justement, qui est descendu du mont avec, voilà, avec les tablettes. Avec les tablettes et voilà. Autres. Donc, on constate tout simplement que ce premier roi a donc créé ce qu'on pourrait qualifier d'une, comment on peut appeler ça, le royaume des Sémites. Et donc ces Sémites ont pris de l'hégémonie parce qu'ils ont livré la bataille aux Sumériens avec la complicité des Caucasiens, des Leucodèmes, c'est-à-dire des Blancs de peau. Il faut préciser que les Sémites sont les métis entre les Noirs et les Blancs, c'est-à-dire les Blancs qui ont les cheveux blonds avec les yeux bleus là. Il y a donc eu une fusion et un métissage. C'est ça qui a produit le peuple sémite. Mais ce peuple sémite, en complicité avec leurs oncles, pour qui ils ont plus de sympathie, c'est-à-dire les Blancs, ont livré le combat aux Noirs autochtones qui habitaient la zone partant de l'Irak jusqu'à la vallée du Nil, parce que c'est les Noirs qui occupaient tout cet espace, jusqu'à l'intérieur de l'Afrique, bien évidemment. Sur les phénomènes migratoires, on va revenir dessus. Donc, ils ont livré une bataille aux Noirs autochtones qui étaient là. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la vallée de l'Indus, qu'on a nommée Mohenjo-Daro et Harappa. Les premiers habitants, c'était les Noirs. Ils ont été combattus par les Blancs qui sortaient de la zone du Caucase, notamment la Finlande, la Russie et toute cette zone. Comme c'était une zone presque invivable, ces gens sont donc redescendus et ayant développé une psychologie de guerre, ils n'ont vécu, ils n'ont eu des rapports avec les autres peuples que sur la base de la guerre. Et effectivement, avec cette psychologie de guerre, l'art de la guerre, ils ont perfectionné même cela parce qu'ils ne vivaient que suite à cela. La guerre, pourquoi? Parce que lorsque tu vis dans un environnement hostile, tu dois te battre pour avoir à manger, pour avoir à boire. Et donc, là où tu ne trouves pas à manger et à boire, et si tu te déplaces, tu trouves un peuple qui est bien installé, tu vas donc attaquer ce peuple pour te prendre possession de ses biens, etc. C'est la même chose qu'ils ont poursuivi au fil de l'histoire, ils n'ont plus jamais changé. Donc, lorsque les Sumériens ont été renversés, les Sémites ont récupéré donc certains aspects de leur culte et ils ont pris la divinité qui les arrangeait, notamment la divinité des vents. Il faut préciser que ces peuples sont habitués au vent, que ce soit le peuple blanc purement que ce soit les peuples métis, parce qu'ils se sont développés soit dans la neige, avec les tempêtes de neige, soit dans le désert, avec les tempêtes de désert. Mm-hmm. Donc, ils ont eu dans le vent une grande force qui pouvait, c'est-à-dire impliquer une qualification de Dieu, quoi. Mm-hmm. Ils ont donc choisi le Dieu sumérien du vent et des tempêtes. Mm-hmm. Voilà. À savoir Enil. Et il ne l'appelait plus Enil, il l'appelait désormais Enlil. Et c'est de ce Enlil qu'on a obtenu plus tard Elil. Et Elil, maintenant, on a gardé Elle, Il, et les Arabes, ça dit les Arabes, ils ont mis al-Ilah. Mm-hmm. C'est al-Ilah, El-Il, Enil, Elil, al-Ilah. C'est les autres qui disent Eloah, Elohim, qui est le pluriel. Donc, voilà comment le mot Elohim naît. Il faut préciser ça. D'accord. Ceux qui veulent davantage faire des recherches dans ce sens, je les envoie dans la linguistique historique et qu'ils découvrent l'origine du mot elle. Et donc, je voulais montrer que les religions, notamment le judaïsme, n'est pas monothéiste. Parce que là, on a elle, Elohim, qui signifie les dieux du vent, parce que Elohim, c'est le pluriel, signifie les dieux, dieux du vent. On a Adonai, c'est-à-dire le disque solaire qui a été personnalisé par Aï, le prêtre. Et on a encore Yahou qui signifie le souffle et le vent, donc qui rejoint effectivement Elohim et Yahweh qui est devenu Yahweh. Ça montre donc tout simplement que on ne saurait dire que le judaïsme pratique le monothéisme. C'est la même chose avec le christianisme. Quand on revient avec le christianisme, nous avons le Père, nous avons le Fils qui est un Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui est un Dieu. Le concept de la Trinité. Le concept de la Trinité. Il n'y a donc pas de monothéisme à ce niveau. Parce que mon Père n'est pas moi. Je suis moi, mon Père est lui. Et d'ailleurs, cela montre à suffisance que Jésus n'est pas son Père. Pourquoi? Parce que, bon, le Jésus narré dans la Bible, parce que j'ai déjà suffisamment démontré qu'il n'y a pas de Jésus historique, que c'est une histoire construite. Pour cela, vous pouvez réécouter le débat avec le prêtre Jean-Benoît Casterman. Et ceux qui veulent... Actes 1 et 2. Voilà, et ceux qui veulent connaître l'origine du christianisme, j'ai fait une série de vidéos de 9 épisodes dans ma chaîne YouTube où j'explique comment on a construit le christianisme. Parce qu'avec le prêtre, il fallait tout simplement montrer que Jésus n'était pas un personnage historique. Mais dans cette série de vidéos, dans ma chaîne YouTube, vous aurez avec la documentation à l'appui comment on a fabriqué le christianisme. Et donc, frère, je voulais terminer par ce premier jet en disant que lorsqu'on constate que dans le christianisme, il n'y a pas de monothéisme parce qu'on parle de 3 entités, le Père masculin, le Saint-Esprit masculin, le Fils masculin, bon, c'est encore, je précise, une triade LGBT, parce qu'on ne comprend pas comment le Père et le Saint-Esprit peuvent cohabiter pour engendrer un Fils. Maintenant, quand on arrive même dans l'islam, et qu'on étudie l'islam dans sa profondeur, on va se rendre compte que même l'islam qui a une prétention monothéiste n'en est pas du tout. Donc, maintenant, je voulais terminer en disant, le concept même de monothéisme vient du peuple noir. Parce que quand on lit l'inscription des textes des pyramides où on dit « Inedja-A-M-M-R-N-F »« Oh, toi le grand Dieu dont le nom est caché. À toi est fait l'offrande, l'unique, toi l'unique. » Voilà. Et là, on parlait du dieu Amon. Il y avait déjà un caractère monothéiste, monothéiste. Divinité. Voilà, mais sauf que le monothéisme africain intègre la pluralité. Ça veut dire que c'est de là que jaillit le multiple. Donc, d'où donc ce qu'on appelle les hypostases d'Amon, qui peuvent être Ra, qui peuvent être Horus, qui peuvent être Osiris, qui peuvent être Isis, Nephthys. Donc, ce sont des émanations d'Amon, qui est donc l'invisible et l'inconnaissable. Donc, la question donc était de savoir que le mot religion a une prétention d'appartenir aux religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'on vient de démontrer qu'ils ne sont pas effectivement monothéistes. Et donc, cette affaire de religion est fondamentalement problématique suite à tous les développements que je viens de faire. D'accord. C'est vrai que tu es déjà très avancé, frère, mais c'est de bonne guerre. Nous allons aller de manière méthodique pour que tous ceux qui nous regardent, une fois, comprennent assez bien, pour qu'il n'y ait plus de confusion, justement, à la fin de cette émission. Tout à fait. Bon, en quelques secondes, avant de développer le concept de développement, justement, bon, que dis-tu donc de ceux qui définissent la religion comme la codification de la tradition d'un peuple? C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez l'islam, on se rend compte que le Coran, c'est la codification de la tradition arabe. Mm-hmm. Quand on voit les Juifs, par exemple, mm-hmm. à travers leur livre sacré qui s'appelle la Torah, on se rend compte que la Torah, c'est la codification de la tradition des Juifs. Très rapidement pour sortir de là avant de... D'accord. Il faut d'abord préciser que le Coran, on commence par le plus récent. Mm-hmm. Le Coran n'est pas la codification de la tradition arabe. Et qu'est-ce qu'on appelle même arabe? Dans l'Antiquité moyenne, avant l'Antiquité tardive, il n'y avait pas un peuple qu'on pourrait qualifier d'arabe. Le peuple arabe est relativement récent. C'est la même chose avec ce qu'on appelle Israël. Mm-hmm. C'est relativement récent. Les peuples qui habitaient la péninsule arabique, c'était les Sabéens, c'était les Couchites, c'était... Bref, les peuples noirs, c'est-à-dire les premiers habitants de toute la zone de Canaan, même les Cananéens, c'était des Noirs. Il faut préciser ça. Maintenant, l'arrivée des Perses, c'est-à-dire l'Iran actuel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens véritablement qui ont le vrai contrôle sur l'islam, ce sont les Iraniens. Il faut le préciser, ce n'est pas parce qu'en Arabie Saoudite, il y a un site sacré qu'on appelle la Kaaba. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans les méandres de l'histoire de ce qu'on appelle les califes. Il y a eu un grand combat. Ali, le neveu de Mohammed et tout ça. Donc, il y a toute une histoire derrière. Mm-hmm. Et vous voyez donc que l'Iran et l'Arabie, c'est les peuples arabes, sont liés dans une certaine mesure. Mm-hmm. Et cette alliance, elle n'est pas une alliance, je dirais, capricieuse ou, comment je pourrais qualifier ça, anodine. Et cette alliance naît du fait que dans l'Antiquité, il y a eu des migrations, c'est-à-dire les migrations qui ont commencé depuis la zone du Caucase, parce que là où la vie est difficile, les gens quittent pour chercher là où il y a le mieux-être. Et les locodèmes, les Blancs, s'étaient rendus compte qu'il fait beau vivre vers le sud, donc notamment la vallée du Nil, Canaan, la péninsule arabique et l'Afrique. Mm-hmm. Et jusqu'aujourd'hui, on voit la preuve. Il y a toujours cet acharnement sur l'Afrique parce qu'on sait que c'est en Afrique qu'il y a toutes les richesses. Donc, il y a eu une première vague migratoire. Parce que c'est une deuxième vague migratoire. La première vague, c'est de l'Afrique vers les autres continents. Mm-hmm. La deuxième vague, c'est des autres continents avec la dépigmentation. Là, il faut aller lire Chekanta Diop, c'est Nation, Nègre et Culture, mm-hmm. Identité culturelle, civilisation ou barbarie, où il démontre que comment le blanc s'est dépigmenté naturellement. Voilà, c'est-à-dire que le blanc n'est que le noir qui s'est dépigmenté, c'est-à-dire qui a perdu sa mélanine et ses cheveux crépus suite à l'environnement hostile, mm-hmm. notamment où il fait très froid, où il y a une grande neige. Bon, maintenant, les gens vont nous demander pourquoi est-ce que ça ne se passe plus aujourd'hui. Je vais expliquer aux gens que la dépigmentation a eu lieu pendant 100 000 ans. 100 000 ans de glaciation. Donc, ta petite vie de 50 ans ou 60 ans, tu veux comparer ça à 100 000 ans. C'est la même chose que les gens disent que comment on peut dire que les dinosaures, les singes sont devenus... les hommes. Mm-hmm. Et pourquoi ils ne deviennent pas... Mais on vous parle de 7 millions d'années. Vous ne vivez que 100 ans. Vous voulez vous étendre à cette durée-là. Donc, l'environnement, à un certain moment, suite aux mutations, a un impact réel sur les êtres vivants. Mm-hmm. C'est la même chose qui s'est donc passée avec les Noirs qui ont migré de l'Afrique vers les zones où il y a trop de glace. Effectivement. Et donc, maintenant, ces gens qui sont devenus donc, des Blancs là-bas, ils étaient dans un... Imaginez-vous la neige. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a même pas le gibier, le poisson, tout est gelé. Notamment au nord de l'Espagne et puis au sud de la France. Voilà. Il fait extrêmement froid à cette période précise. Voilà, c'est la même chose dans les lieux où il y a le désert. Mm-hmm. Donc regardez le désert, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de désert sur la péninsule arabique. C'est suite au changement climatique mm-hmm. que ce désert est survenu. Mais même ces individus qui se sont développés dans le désert ont développé la même psychologie que ceux qui vivaient dans la neige. Et c'est la raison pour laquelle vous allez donc voir une certaine complicité psychologique entre les Arabes, les Juifs et les Occidentaux. Puisque l'environnement était hostile. Et notamment, ça les a rendus agressifs. C'est ce qu'on constate jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mm-hmm. c'est la même chose. Contrairement à l'Afrique où ils vivaient dans la clémence. Il y a la forêt, il y a les mangues qui tombent, il y a les avocats qui tombent, il y a le fleuve qui a beaucoup, le plus paresseux pour se nourrir. Voilà, il y a beaucoup de poissons dans l'eau, il y a le gibier. Donc, toi qui es né dans un environnement clément, tu développes une psychologie pacifique. Mm-hmm. Et là, la société d'origine, elle est matriarcale. Mm-hmm. Parce que lorsque les hommes sont installés sur place, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui allaite, c'est la femme qui nourrit et c'est la femme qui est même l'inventrice de l'agriculture à travers le phénomène de la gestation du bébé dans son ventre. Elle est la coucheuse des nations. Voilà, donc elle a inventé l'agriculture, elle a inventé l'art culinaire, elle a inventé beaucoup de choses. Alors que de l'autre côté, la société qui s'est développée, c'était une société patriarcale. Pourquoi? Parce que dans la neige et dans le désert, les femmes enceintes ne pouvant pas parcourir de longues distances pour chercher à boire et à manger, elles sont donc stockées dans les grottes parce qu'il y a les tempêtes de neige et les tempêtes de désert, donc il faut les mettre à l'abri de cette tempête. Et les hommes partent donc affronter la nature pour chercher à manger et à boire. Et le fait que c'était les hommes qui avaient commencé à nourrir les femmes, il y a un rapport de force, et les hommes ont donc pris le dessus pour dire que comme c'est nous qui vous nourrissons et c'est nous qui vous commandons. Donc, la question, c'était en rapport avec... oui, justement, avec la codification de la tradition de chaque peuple en fonction de son livre sacré. Voilà, je voulais donc chuter par là en disant que cette codification ne saurait être telle. Parce que les peuples qui sont aujourd'hui qualifiés de, je vais dire quoi, de créateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam, n'avaient aucune spiritualité dans l'Antiquité. Ils n'en avaient pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était des peuples errants. Celui qui n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il va réfléchir comment? Il faut d'abord être suffisant, c'est-à-dire régler les problèmes basiques avant de commencer à élever la pensée vers les hauteurs. Celui qui cherche à manger quotidiennement et à boire quotidiennement ne peut donc pas avoir une spiritualité codifiée. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces peuples ont vécu pendant longtemps en tant que parasites. C'est-à-dire, les peuples locodèmes, c'est-à-dire les blancs, les peuples sémites, ils ont toujours cherché à s'accrocher, à s'agripper. Jusqu'à aujourd'hui, on voit la même chose. C'est-à-dire que la source nourricière de l'Europe et de tous ces peuples, c'est l'Afrique. Il n'y a même pas de débat dessus. Et pour avoir ce caractère à cette époque, il fallait être sédentaire. Il fallait être sédentaire, c'est-à-dire que pour être celui qui nourrit, qui s'organise, qui codifie les choses, qui crée des écoles, parce que pour créer une école, il faut être sur place. Si tu es errant, tu vas créer quoi? Tu auras quel temple? Tu vas écrire quel livre? Tu vas même d'abord faire comment pour apprendre l'écriture, pour découvrir l'écriture? Tu vas faire comment pour décrypter les astres au ciel? Imaginez-vous, vendre sa famille n'a point d'oreille. Un enfant qui va en salle de classe étant affamé, je ne pense pas qu'il va bien assimiler le cours. Donc, il y va de même pour celui qui passe son temps dans l'errance, à la quête de la nourriture, à la quête de l'eau, à la quête de la vie générale. C'est-à-dire d'un environnement propice. Il ne peut donc pas codifier quelque chose. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont tout simplement des plagiats des traditions antiques, des spiritualités antiques, des peuples autochtones, mais un plagiat et une falsification, parce que nous on récupère certains aspects de ce que vous savez et on lui donne la forme qui nous convient, c'est-à-dire en fonction de notre vision du monde à nous. Et c'est pour ça qu'on peut donc voir, lorsqu'on parle de Dieu, on voit un Dieu blanc, lorsqu'on parle des anges, on voit des anges blancs, donc c'est-à-dire le peuple identifie les éléments qu'il a pris chez vous, il s'en approprie, il change les noms et il lui donne sa propre coloration. De leur environnement. Voilà. D'accord, donc on va retenir, avant de définir le thème, le concept de développement, on va retenir qu'il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire retenir dans la définition que vous avez donnée de la religion, qu'il y a une différence fondamentale entre les religions, il y en a trois, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et les mouvements comme le taoïsme, le bouddhisme, tout ce qui finit par isme. Là, ce n'est pas des religions. Des écoles philosophiques. Il y a trois religions reconnues qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce qu'elles prétendent au monothéisme, elles prétendent à un prophète élu, elles prétendent à un fils unique, elles prétendent à un peuple élu, et elles prétendent à un livre inspiré de Dieu. Voilà les éléments de ce qu'on pourrait qualifier de religion. C'est-à-dire que d'après eux, dans le judaïsme, il y a un peuple élu. Dans le christianisme, il y a un fils unique de Dieu. Dans l'islam, il y a un prophète qui doit accomplir la mission. C'est-à-dire après lui, il n'y a plus rien. Et dans les trois religions, on a encore la Torah qui vient directement du ciel. Parce qu'on dit même que Dieu gravait même ça avec sa main sur la pierre. Et tout à l'heure, on va voir que les 10 commandements de Moïse, ce n'est pas l'affaire d'Israël. Ce sont les codifications des lois de Maat et tout ça. Ils ont juste ajouté 2 commandements parce qu'ils ont pris 8 sur les 42 et ils ont ajouté 2. Notamment, ce qu'ils ont ajouté, c'est que 1. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le commandement qu'ils ont ajouté. Ils ont ajouté 2e commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Voilà les 2 commandements qu'on a ajoutés. Le reste, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. C'est déjà connu dans l'Afrique traditionnelle. Et donc, montrer que la Torah, la Bible et le Coran sont d'inspiration divine, c'est du mensonge pur et simple et nous allons le démontrer suffisamment avec toute la documentation que nous avons. D'accord, il était vraiment important de souligner ça pour qu'il n'y ait plus justement de confusion de nos téléspectateurs et de nos abonnés à ce sujet-là. Bien, on va définir très rapidement le concept de développement avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, forcément. Donc, après avoir défini la religion, pour toi, frère, c'est quoi le développement? Et après ça, on verra donc la corrélation qu'il peut avoir entre la religion et le développement pour savoir si effectivement les religions importées ont participé au développement de l'Afrique. Voilà. Ou alors des peuples où ils prétendent s'être implantés. Effectivement. Donc, c'est pas pour moi, je n'aime pas dire que d'après moi. D'après la réalité, le développement implique plusieurs éléments. D'accord. Il y a d'abord l'existence de l'homme. L'homme vient de qui? Il vient de son père et de sa mère. Donc il doit connaître ses parents. Il doit connaître d'où il sort. Il doit connaître son nom. Il doit connaître son identité. Donc il y a d'abord sa source de jaillissement. Même si on dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, mais immédiatement, je vois d'abord mon père et ma mère. C'est le principe fondamental. Et c'est plus tard que vous allez m'expliquer que non, même ton père et ta mère ont eu des pères, mais immédiatement, le bébé qu'on porte en main, c'est que ma déesse, c'est d'abord ma mère. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les mythologies les plus anciennes ont toujours retenu que la divinité est féminine. Parce que même la terre, qui est la matrice, produit les plantes. L'eau est une matrice qui produit les larves et les poissons. L'air même est une matrice. Le soleil est une matrice. Donc, immédiatement, ce qu'on découvre d'abord, c'est que mon père et ma mère. Identité. Il faut connaître son nom. Et c'est son nom qui caractérise sa personnalité et même qui influence la vie, c'est-à-dire dans l'existence. Il faut connaître déjà ces 2 choses. Troisièmement, il faut connaître l'environnement dans lequel on est né et dans lequel on est appelé à se développer. Sinon, si on ne le connaît pas, cet environnement nous sera hostile et on peut succomber à ces, je pourrais parler de quoi, à ces travers, un jour ou l'autre. Pour donc survivre, il faut apprendre à connaître la nature. C'est-à-dire, 1, les parents, 2, le nom, 3, la connaissance, le rapport au réel, le rapport à la nature. Nous avons donc déjà là 3 éléments. Nous avons d'abord la mémoire, c'est-à-dire la connaissance de son passé, issue de son père et de sa mère, qui eux-mêmes ont eu des pères et des mères derrière. C'est ça qu'on appelle la mémoire. Et cette mémoire recèle d'abord l'histoire de cette famille, et de manière plus élargie, l'histoire de ce clan, de manière plus élargie, l'histoire de cette ethnie, l'histoire de ce peuple. Vous voyez? Donc, ça fait que un individu qui est coupé de son histoire n'existe pas. En réalité, ce sont les autres qui lui parlent de lui, qui lui disent ce qu'il n'a jamais été, ce qu'il n'est jamais. Et le cas de l'Afrique aujourd'hui, on constate que la plupart des Africains qui font des commentaires par-ci, par-là, ne maîtrisent pas la vraie histoire de l'Afrique. La seule histoire qu'ils connaissent de l'Afrique, c'est celle qui leur a été enseignée par l'école, c'est-à-dire l'histoire écrite par le colon. Et c'est celui qui te commande, qui te dit qui tu es. Et il ne te le dit pas pour ton avantage, il te dit pour te maintenir dans un dénigrement perpétuel. est dans un complexe d'infériorité face à lui. C'est-à-dire qu'il construit une histoire qui te réduit et qui te rabaisse permanemment. La preuve aujourd'hui, les Noirs continuent d'être étranglés, on leur pose les pieds au cou, malgré tout ce que les Noirs ont fait au niveau des découvertes et tout ça. Même ce qui, la guerre au Kosovo et tout ça, les Noirs ont contribué, ils se sont battus, mais ça n'empêche pas que le rapport aux Blancs reste toujours un rapport des maîtres et esclaves, oui, malgré les libertés qu'on prend dans ces pays-là. Donc celui qui a construit une histoire pour toi, cette histoire t'est automatiquement défavorable. Donc vous, qui émettez souvent des arguments, des jugements et des choses, on vous appelle à apprendre à découvrir la vraie histoire de l'Afrique, pas l'histoire racontée dans nos écoles. Vous savez que nos écoles sont des écoles coloniales. Il y a les NAM au Cameroun, il y a les NAM à Paris, il y a l'école normale au Cameroun, il y a l'école normale à Paris. Vous ne voyez pas que les noms se ressemblent. Donc il n'y a rien d'authentique au peuple noir. Donc déjà, sur le plan de l'éducation, nous sommes contrôlés. Sur le plan de la vision du monde, la religion, nous sommes contrôlés. Sur le plan de l'économie, nous utilisons le franc CFA. À tous les niveaux. Et au point où le noir aujourd'hui se retrouve même en train de se dénigrer lui-même. C'est-à-dire que ce complexe d'infériorité qui a été nourri au fil du temps a fait en sorte que quand l'un de ses frères noirs va lui dire que le système dans lequel tu es un système perverti et qu'il faut que tu te reconnectes à ta source, il va de manière inconsciente développer des mécanismes d'agressivité vis-à-vis de son frère suite à l'ignorance de sa vraie histoire. Donc, l'effacement de la mémoire fait en sorte que le noir devient son propre ennemi. D'où l'aliénation. C'est ça, d'où le concept aliénation. Maintenant, le nom. Aujourd'hui, les gens s'appellent Pierre, Paul, Marie, Gertrude. Ça dit que moi, j'avais une... moi, j'aime bien les femmes, mais moi, je ne vais pas le nier. Moi, je n'aime pas les hommes au sens amoureux, mais j'aime les hommes au sens des frères. Mais j'avais une compagne à l'époque, à l'université, quand j'étais à... en Master 1, elle s'appelait Djui-Kwa. Et le fait que je l'appelle Djui-Kwa, ça l'énervait. Elle me disait, ne m'appelle plus comme ça. Donc, elle voulait que je l'appelle Janine, que je l'appelle Gertrude, des choses comme ça. Elle régnait son nom. Par aliénation. Par aliénation, c'est-à-dire qu'elle accepte le nom qui, d'après elle, sonne bien et est moderne. Or, lorsque tu ignores l'essence de ton nom, tu ignores ton essence toi-même. C'est la raison pour laquelle tu vis comme une feuille qui s'est détachée de l'arbre et qui se laisse entraîner par le vent. Encore que le nom en Afrique porte une charge énergétique. Le nom a une puissance, le nom a des caractéristiques, le nom détermine ton destin et ton avenir, le nom qu'on te donne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parents ne doivent pas donner les noms aux enfants parce que c'est ma grande sœur qui m'a nourri, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Non, on ne donne pas les noms comme ça. Tant que ça ne cadre pas la destinée de l'enfant. Si tu ne veux pas, si tu veux que le destin de ton enfant soit positif, il y a des noms dans nos langues. Par exemple, moi je suis Eton, je suis Betty. Le nom Mboukban signifie la prospérité. Le nom Douma signifie l'abondance. Donc tu peux donner un nom, tu connais bien ta langue, tu choisis un nom et c'est ça. Ce que tu veux que ton enfant soit, c'est ça que tu lui donnes. Donc si tu donnes un nom, par exemple Ndoutou, Andouala, la marche en sortant. Voilà, c'est ça. Ne t'attends pas à ce que ton enfant ait la prospérité. Voilà, donc on ne donne pas le nom pour faire plaisir au grand frère qui m'a encadré quand j'étais chez lui. Voilà, ma mère qui m'a mis au monde. Non, c'est pas ça, c'est venu après. Les Africains, quand ils donnaient les noms aux enfants, c'était pour leur donner un pouvoir qui vont perpétuer afin que cela apporte le bien-être et la prospérité dans la famille. Maintenant, le rapport à la nature. Bon, donc le nom nous amène à nous découvrir nous-mêmes. La mémoire, le souvenir, l'histoire liée à nos parents et à nos grands-parents. Nous-mêmes, à travers notre nom, qui je suis, je m'appelle comment, que signifie mon nom et vers où ce nom m'amène. Troisièmement, le rapport à la nature. Et c'est là où la science naît. La science naît suite au rapport que l'homme entretient à la nature. Il rencontre une nature qui, à la base, lui est incompatible. Parce qu'il marche, il piétine, l'épine lui transperce le pied. Il va entrer dans l'eau, il se noie. Quand il met la main sur le feu le brûle. Il doit donc apprendre à connaître les lois de la nature. Il doit donc apprendre à connaître la nature. D'où l'étude des lois de la nature. Nous avons donc trois volets. Nous avons l'histoire, nous avons l'étude de soi et nous avons l'étude de la nature. C'est qui a créé la rationalité. C'est ça qui a donc créé la rationalité dans la pensée africaine. Effectivement. Et donc, en rapport avec la question qui porte sur le développement, tout montre donc que le développement ne saurait être vu essentiellement sur le plan matériel. C'est-à-dire que l'édification des gratte-ciel, la construction des routes, la construction des écoles, des hôpitaux. Ça, c'est des éléments secondaires du concept. Justement, frère, j'allais te poser la question là-dessus, celle de savoir la différence qu'il y a entre la notion de développement selon le paradigme, voilà, le cosmite, voilà, ou alors indo-européen, ouais, et le paradigme la notion dans la pensée africaine de développement, n'est-ce pas, dans la pensée africaine. Voilà. Vous voyez donc que j'ai dégagé trois éléments dans le concept développement. Pour être, c'est-à-dire le développement implique le bien-être dans son sens global. Et dans ce bien-être, il y a la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de soi. Nous sommes liés à nos parents. La connaissance de soi-même, je m'appelle tel. Et voilà ce que mon nom signifie, et voilà ce que je suis, en rapport avec ce que mes parents sont, et ce que les grands-parents ont été, et ce que ces gens ont légué comme héritage et savoir, sur le plan de l'art, sur le plan de l'architecture, sur le plan de la science, sur le plan de la médecine. Voilà. Maintenant, moi-même, je me découvre pour savoir quoi? Pour savoir quel est le sens de mon existence. Et le sens de mon existence ne dépend pas uniquement de moi. Il est imbriqué à la communauté à laquelle j'appartiens. Parce que je ne suis pas maître de moi-même. Si mon père et ma mère ne m'avaient pas permis de grandir et de commencer à réfléchir, je ne serais rien. Comment puis-je donc prétendre que c'est Jésus qui est plus important que mon père et ma mère? C'est grâce à eux. Et quand j'ai grandi, que je découvre qu'il y a un Jésus, qu'il y a un Mohamed, qu'il y a un Dieu. Même le mot Dieu n'existe premièrement qu'en rapport avec mes parents. Donc c'est un mot, on se rend compte que plus tard, c'est parce que la conscience s'est développée. Et pour que cette conscience se développe, il faut que les parents participent, n'est-ce pas, à la protection de l'enfant, à le nourrir, à l'éduquer. Le mettre dans un cadre pour son épanouissement. Il faut même que la mère permette même d'abord que cet enfant naisse. Vous voyez, ça veut dire que c'est inconditionnel. Si ta mère, on la qualifie de sorcière plus tard parce que tu es déjà dans les églises de sommeil. Mais si elle était sorcière, elle ne t'aurait même pas permis que tu naisses. Son goût, son niveau, t'aurait mangé dans le ventre et tu n'existerais pas. Et la même chose avec ton père. Si il était un sorcier et que tu te retrouves à 15 ans, 20 ans, on te dit que ton père, ta mère sont sorciers pendant que tu dormais étant bébé là. Tu n'as qu'un mois, mais il vient, il t'étrangle, ou tout au moins il te découpe, il te prépare une bonne sauce et il te mange. Donc si tu as grandi, tu as arrivé à un certain âge, il faut chercher à comprendre pourquoi. Si peut-être ton père fait telle ou telle pratique, si ta mère fait telle ou telle pratique, tu dois t'approcher d'eux pour comprendre le fond de cette pratique. Et non de rester à distance et tu commences à développer les préjugés. Et c'est ça qui crée la crainte à un certain moment vis-à-vis de nos parents et tout ce qui nous entoure. Parce qu'on ne comprend pas ce qui a été construit au fil du temps, c'est dans quoi ils se sont retrouvés à un certain moment. Et peut-être qu'ils ont perpétué une pratique qui était au départ noble, mais qui avec le temps a été pervertie. Il faut chercher à questionner ça. Que de dire mon père est sorcier, ma grand-mère est sorcière, c'est des conneries. En réalité, c'est des lâches qui se comportent comme ça. D'accord. Maintenant, le rapport au réel. Dans ce rapport au réel, on se rend compte que, un, c'est grâce au réel qu'on respire. Nous respirons l'air. C'est grâce au réel qu'on se désaltère. Nous buvons de l'eau. C'est grâce au réel qu'on se nourrit. On mange les végétaux et parfois les animaux. Qui nous donnent de l'énergie, n'est-ce pas? Voilà. C'est grâce au réel que nous nous protégeons. C'est-à-dire à travers la médecine naturelle, les plantes et tout ça. Et donc si c'est ce réel... Par conséquent, c'est ça le vrai développement. Voilà. C'est-à-dire que le rapport au réel doit être un rapport harmonieux. Ça ne doit pas être un rapport de prédation. Or, la psychologie occidentale, ayant considéré le réel comme une chose, parce qu'il y aurait un Dieu qui vit en dehors de ce réel, c'est-à-dire dans un ciel séparé de l'univers, de la nature, parce que c'est la conception occidentale et sémite de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans la nature. Dieu vit dans un monde imaginaire. Et comme Dieu n'est pas dans la nature est une création de Dieu, et par contre, elle est une chose. Et Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les animaux, de dominer sur les plantes. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous voyons déjà là une logique prédatrice et même qui frise de la naïveté et de l'ignorance. Parce que comment, si ce n'est pas un Dieu ignorant, qui vous dit que vous serez le maître de l'univers, alors que c'est grâce à cet univers que vous existez, comment pouvez-vous être le maître du vent? Comment pouvez-vous être le maître du feu? les maîtres de l'eau. Alors que quand il pleut, tu es obligé d'aller t'abriter. Hein? Quand il fait très chaud, tu es obligé de mettre les crèmes sur la peau ou d'aller t'abriter dans une maison. Toi, tu peux être le maître de l'univers. Et sans exister dans l'univers que toi-même tu as créé. Et il faut, voilà. Et il faut préciser que le soleil n'a pas besoin de nous pour exister. Bien sûr. Les animaux peuvent exister sans nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Les plantes existent sans nous. Mais nous, on a besoin des animaux. Puisque là où les animaux vivent en brousse, l'homme forcément n'a pas besoin d'y être. Voilà. Mais il se nourrit, il se protège. Il se reproduit. Voilà. Les plantes n'ont pas besoin de l'homme. Mais l'homme a besoin des plantes. Pourquoi? Pour se nourrir, pour se soigner, pour respirer, grâce au phénomène de photosynthèse. Effectivement, oui. Les minéraux, c'est-à-dire l'or, le diamant, n'ont pas besoin de nous. Mais c'est l'homme qui a besoin de ça. Pour pouvoir fabriquer les montres, les radios et tout ça. Avec et tout objet que nous utilisons avec les métaux. Donc, dans notre... rien de ce qui est dans la nature n'a besoin de l'homme. Donc, l'homme est un maillon, je pourrais qualifier d'essentiellement inutile et même nocif. Parce que c'est l'homme qui détruit l'environnement. Effectivement. Et en détruisant l'environnement, il s'autodétruit. Vous voyez donc que la psychologie occidentale, primitive et naïve, au départ, c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte de ce dont l'Africain s'est rendu compte depuis longtemps, à savoir la logique totémique qui implique la sacralisation des arbres, de certaines espèces animales et la sacralisation de la nature, qu'ils ont qualifié de logique primitive dans leurs écrits. Mais aujourd'hui, ils parlent d'écologie. Il parle de protection des espèces, il parle de... Mais nous, on avait déjà développé ça depuis. Mais qui est donc en avance par rapport à la notion de développement? Le rapport au réel, la relation avec son histoire, la relation avec soi-même. Regardez la psychologie occidentale et sémite. Le rapport aux individus est un rapport conflictuel. Effectivement. C'est pourquoi les guerres éclatent. Les guerres partout. Donc, vous voyez, la notion de développement doit être prise dans sa racine. C'est-à-dire que l'homme... dans sa mémoire qui le lie à son peuple, doit découvrir les grandes valeurs qui ont été accumulées à travers les expériences que les membres de sa famille ont vécu, très lointaines ont vécu et ont légué à la postérité. L'homme, à travers la découverte de lui-même, doit découvrir le sens de son existence et les vertus qu'il a en lui afin de les mettre à la disposition de sa communauté. L'homme, à travers son rapport au réel, doit créer un rapport harmonieux parce qu'ayant découvert les lois de la nature, il doit découvrir que, en préservant ceci, en préservant cela, en développant la science dans ce sens, plutôt que dans un sens transhumaniste et matérialiste, où l'homme est en train de vouloir fabriquer l'homme aujourd'hui, où les machines, les puces veulent déjà remplacer le cerveau humain, ce qui n'est pas possible parce que le cerveau humain, qui est un cerveau naturel, si on dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui est l'idéal que l'homme doit suivre, ça veut dire que l'homme va perdre sa sensibilité. Il ne sera plus sensible, un être sensible. Il va perdre sa capacité de procréer. Voilà. Parce qu'il faut préciser même que les conceptions in vitro, l'enfant qui s'est développé dans le sein d'une femme ne sera jamais comme l'enfant, je veux dire l'enfant qui s'est développé dans un tube à essai, un bocal médical, c'est-à-dire on prend le sperme d'un homme et les ovules d'une femme, on fait une fusion artificielle et on fait développer ça dans un bocal pour que l'enfant devienne un bébé. Cet enfant ne sera jamais comme l'enfant qui s'est développé dans le sein d'une femme. Parce que cet enfant sera un être froid. Il n'aura pas acquis les éléments supplémentaires qui pourraient le lier à sa mémoire historique. Qui lui permet d'avoir une certaine sensibilité. Voilà, d'avoir une certaine sensibilité qui pourrait même le lier à sa mémoire historique. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant se développe dans le sein de sa mère, avec la présence du père, parce que c'est aussi une manière de dire que quand les couples sont séparés, et que la femme, l'enfant se développe dans le ventre de la femme en l'absence du père, ce n'est pas bon. L'enfant peut naître en la présence de l'homme et se développer en l'absence de l'homme. Mais l'enfant doit se développer dans le ventre de la femme en la présence de l'homme. Ça fait qu'il capte les deux énergies et c'est ça qui le constitue. Et c'est ça qui fait donc de lui une personne unique en son genre. Par contre, celui qui s'est développé dans un tube à essai ne sera jamais un homme comme... Il n'a pas ces éléments-là. Donc, c'est pour montrer les limites de ce que les autres trouvent comme science. La science, oui, mais quelle orientation? Cette orientation doit être en accord avec les lois de l'univers. Très bien. Donc, pour montrer que la notion de développement ne comporte pas simplement la fabrication des voitures, des avions, des gratte-ciel et tout ça. Mais celui qui est développé, c'est l'homme. Il est développé pourquoi? Parce que, un, il se connaît lui-même en connaissant son histoire. Deux, il se connaît lui-même en connaissant son nom et son essence et son rapport à son peuple. Trois, il se connaît lui-même en rapport avec la nature et il connaît les lois de la nature. Et maintenant, il peut donc concevoir un modèle de science qui vise non pas à détruire la nature, non pas à dégénérer l'humain, c'est-à-dire à faire de l'homme un zombie ou un robot, non pas à faire de l'homme un être pervers à travers les pratiques LGBT, homosexuelles, mais à un développement qui constitue la perpétuation de la vie, la perpétuation de l'harmonie autour de soi et l'harmonie autour des autres. C'est ça le vrai concept du développement. D'accord. Nous allons prendre une courte transition avant d'entrer de plein pied, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Mais il est important de faire ce petit récapitulatif. Après avoir défini la religion comme on l'a fait, il est important également de s'arrêter un temps soit peu sur la définition de développement qui, pour l'homme, est de vivre en harmonie avec lui-même, de vivre en harmonie avec les siens, les éléments de la nature et tous les éléments existentiels. Voilà. Donc, le développement n'est pas toujours avoir des gratte-ciels ou alors faire des autoroutes. Encore lesquelles autoroutes? C'est l'homme qui fabrique tout ça. Lesquelles autoroutes, justement, contribuent à tuer encore cet être humain-là. Voilà. Donc, vous avez parlé dans la définition de la religion, vous avez beaucoup utilisé le terme spiritualité. Ouais. Dès qu'on revient donc de la transition, vous allez nous démontrer la différence qu'il y a entre la spiritualité et la religion. Comme ça, ça nous permet, n'est-ce pas, d'avancer dans l'émission. Nous prenons une transition et on se retrouve tout juste derrière. Retour sur le plateau, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Kemet Télévision et vous regardez votre émission Kamita. Et ce jour, c'est une édition spéciale qui reçoit l'ontologue, le métaphysicien et l'égyptologue Tott Abonné, n'est-ce pas, dans la mise au point par rapport à un certain nombre de confusions que les téléspectateurs et nos abonnés ont eu ou alors ont fait suite à l'émission produite par le patriarche, le doyen d'âge Biloa Essi, toujours sur nos mêmes antennes. Alors, frère Tott, comme je l'ai dit avant qu'on ne prenne la transition, nous allons donc revenir sur le concept de spiritualité et la religion. Voilà. Ensuite, nous allons voir justement ce que la religion, la spiritualité, la science, la politique, c'est que ça a impact dans notre environnement. Tout à fait. Il faut préciser que la religion, dans son fondement, est dogmatique. Elle est dogmatique parce que la Bible a dit, on ne discute pas, c'est la parole de Dieu. Le Coran a dit, on ne discute pas, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si on écrit aujourd'hui, c'est-à-dire que on va te dire que c'est un verset biblique, un papyrus qui a été découvert lorsqu'on fouillait des cruches au niveau de la Palestine là-bas, ou aux côtés du Vatican. Donc, il y a un document qui existe là, mais qu'on n'avait pas vu depuis, mais qui date de l'époque de Moïse. Et on te dit que les hommes marchent avec la tête. On dit que c'est Moïse qui avait dit ça, mais on vient de découvrir ça parce qu'on a fait des fouilles archéologiques. Les hommes marchent avec la tête. On met ça maintenant que ça participe du Coran et de la Bible. Mais tous ces brebis, hein, et ces agneaux, c'est-à-dire brebis, c'est quoi? C'est la femelle du mouton. L'agneau, c'est le petit de la brebis et du mouton. Et le mouton et la brebis et l'agneau, ce sont les frères de qui? Les chèvres et les boucs. Et les chèvres et les boucs, ce sont les frères de qui? Les bœufs et les taureaux. Donc, les vaches. Donc, lorsqu'on te dit brebis et agneau, c'est-à-dire quoi? Il y a le berger. Et le berger, lorsqu'il te lève, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois une bonne viande à manger. C'est-à-dire bon pour l'abattoir. Et donc, le berger, il ne t'élève pas pour ton propre bien. Le berger t'élève parce que tu es sa proie. Hein? Net comme on élève les poules, comme on élève les chèvres chez nous, et qui commencent d'abord par les agneaux, les chevreaux, et puis qui deviennent les chèvres et les moutons, qu'on va donc égorger le jour d'un rituel, et malheureusement, nous devenons des agneaux immolés, donc pour l'intérêt du berger. Donc, quand on a fini cela, d'expliquer cela, on se rend compte que tout le champ lexical et le champ sémantique de la religion relève d'une psychologie avilissante, infantilisante. C'est-à-dire qu'il y a le représentant de Dieu sur terre, parlant du pape aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, on me disait le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre. La canne qu'il a là, avant de le nommer, la canne là doit d'abord fleurir, les fleurs doivent sortir sur ça. Donc au niveau de l'investiture, on appelle ça quoi? L'ordination du pape. Non, le jour que le pape sort, on dit qu'il y a une fumée blanche qui est sortie. De son élection. Voilà. Voilà. Donc, par ailleurs, en dehors du pape, qui est le représentant de Saint-Pierre, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, il y a aussi un Jésus qui, pendant certains moments, il est fils de Dieu. Et pendant d'autres moments, il est Dieu. Mais les religieux ne cherchent pas à faire la distinction ou alors à trouver une meilleure compréhension entre la notion de fils de Dieu et Dieu. Ils ne s'en tiennent qu'à ce que leur disent les pasteurs, les prêtres et à ce que la Bible dit de manière littérale. Parce qu'il faut préciser qu'il est évident qu'il y a une dimension codifiée et ésotérique qui pourrait dégager... je vais dire, qui pourrait susciter une certaine herméneutique, une science herméneutique pour pouvoir décrypter, pour pouvoir décrypter le message profond. Mais malgré même cet aspect ésotérique, il y a toujours les éléments pervers. Et là, nous allons le développer avec le temps. Parce que là, on interpelle déjà les gnostiques, les rosicruciens et les francs-maçons qui disent qu'il y a une dimension codifiée, ésotérique et hermétique de la Bible. Et même jusque-là, même quand on entre dans ce domaine, parce que j'ai fait au moins 5 ans d'herméneutique, et pas la moindre, pas l'herméneutique des prêtres, l'herméneutique du métaphysicien. C'est-à-dire que celui qui n'est pas moulé dans une idéologie. Lorsque le prêtre parle, pas étudier l'herméneutique, c'est dans le cadre religieux, c'est-à-dire il est déjà conditionné mentalement. Mais celui qui étudie l'herméneutique sur le plan scientifique, mais il est imbattable, il est redoutable. Donc, il y a donc à voir dans l'élément religion, une sorte d'infantilisation, parce que c'est un rapport de maître, pas à esclave, je ne pourrais pas le dire, à élève. Ou à fidèle. À fidèle. Mais l'élève n'est pas là pour apprendre à connaître les lois de l'univers. Il n'est pas là pour apprendre à se connaître. Il n'est pas là pour apprendre à connaître l'histoire. L'élève est là pour apprendre à boire comme du petit lait, ce qu'on lui dit, sans réfléchir, sans jamais remettre cela en question. On ferme la recherche. On ferme la recherche. Il doit croire. D'où le concept foi. Parce qu'il faut préciser que la foi est synonyme de croyance. C'est pour ça que les religieux s'appellent des croyants. Et ils sont des fidèles. C'est-à-dire ils ont adhéré à quelque chose de manière aveugle et ils demeurent fidèles à cela. Et la foi est aux antipodes de la raison. Et justement, je vais donc revenir au mot foi parce que le mot foi vient du latin fidei. Fidei signifie l'adhésion à quelque chose qu'on ne connaît pas ou l'adhésion à quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça en réalité. Et d'où la définition biblique de la foi. La foi est la ferme assurance. Ils disent que la ferme assurance de l'homme vis-à-vis de des choses qu'on ne voit pas, des choses comme ça, et l'espoir, des choses comme ça. Donc c'est clair que la foi est synonyme de croyance. Or, la croyance, dans les étapes de connaissance, il y en a 9. Le premier niveau de connaissance, c'est la sensibilité. Je vois, je sens. Je sens avec ma langue, avec mes narines, je sens l'odeur, je sens avec ma peau. Je ressens. La sensibilité, tout le monde a cette capacité-là, même les animaux, même les plantes. Le deuxième niveau de connaissance, c'est on a dit que, c'est-à-dire l'opinion. Mon père me dit que, ma mère me dit que, la Bible a dit que, le Coran a dit que, Platon a dit que. Donc, on n'a pas encore vérifié, c'est le deuxième niveau de connaissance. Le troisième niveau de connaissance, c'est le raisonnement. C'est-à-dire, à partir de ce qu'on ressent et à partir de ce qu'on a dit, on peut émettre des raisonnements sur la base de cela. Mais le raisonnement ne s'arrête pas au niveau, là. Le raisonnement se complète aussi avec les intuitions, c'est-à-dire le quatrième niveau de connaissance. L'intuition est ce qui se donne à moi immédiatement comme sensation et qui peut se vérifier par la suite. Je vois quelqu'un faire un accident et quelque temps après l'accident se produit. Net comme il y a quelques jours, chez ma tante qui est décédée hier, j'ai vu le deuil. Et j'ai su que d'ici quelques jours, je vais encore me retrouver avec ma famille maternelle pour le deuil. Et le lendemain, mon cousin m'appelle pour me dire que sa mère est déjà dans le coma, elle est en train de mourir. Et elle est morte hier. Donc, c'est ça les intuitions. Maintenant, le cinquième niveau de connaissance, c'est le langage de la nature. C'est-à-dire, lorsque tu vas à la chasse, tu vois les fourmis. Si tu pars, tu ne vas pas voir le gibier. Et c'est logique. Ça dit que ce sont ces fourmis qui éloignent le gibier. Si tu vois une horde de corbeaux qui vient tourner autour de ta toiture ou vient se poser sur ta toiture en criant, ça veut dire qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ça, c'est le langage de la nature. Si tu marches, tu cognes le pied droit en sortant pour aller faire quelque chose, ça va réussir. Si tu cognes le pied gauche, ça ne va pas réussir. Si tu... À un moment, la pomme de la main commence à te gratter, c'est une manière de dire que tu auras de l'argent. C'est ça, le cinquième niveau de la connaissance. Le sixième niveau de la connaissance, c'est l'oracle. C'est-à-dire que le langage des coris, le langage de l'araignée qui trace les signes au sol, le langage des... Qu'est-ce que je peux appeler? Des astres, des étoiles. Le septième niveau de la connaissance, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'initiation, c'est-à-dire l'accès aux choses invisibles. Voilà, tu vas voir ton père qui est mort, oui, c'est possible, on te fait un rituel et puis tu commences à le voir. Tu vas voir tel esprit, les esprits des eaux, on t'amène vers les eaux, on te fait les initiations et tu commences à voir les esprits des eaux. La même chose avec les esprits de la terre, les gnomes, les esprits du feu, les esprits de l'air. Donc, ça c'est le septième niveau de la connaissance. Le huitième niveau de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la ce que les autres appelaient la transfiguration, c'est-à-dire l'illumination. Et dans l'illumination, tu découvres ta vraie nature profonde, et la vraie nature des plantes, et la vraie nature de tous les éléments, de l'eau, du feu, de l'air. Tu commences à voir ça, comment c'est dans son essence, et non uniquement comment tes yeux voyaient ça, comment tes oreilles entendaient ça, comment tes narines, tu commences à voir la vraie nature de ces choses. La vibration est un peu plus élevée. Voilà, ça c'est le huitième niveau de connaissance. Et le neuvième niveau de connaissance, c'est la fusion donc avec le tout. Tu deviens l'eau, tu deviens l'air, tu deviens le feu, tu deviens le vent, et donc, tu as la capacité... C'est ce que les autres ont appelé le nirvana. Voilà! Voilà 9 niveaux de connaissance. Bon, les Hébreux se sont limités à 7. Vous voyez que les Africains vont plus loin que les Hébreux, les Juifs et même les Indiens. C'est parce que c'est le premier peuple. Donc, normalement, on doit aller plus loin. Vous voyez donc que le religieux est limité au deuxième niveau de connaissance. Il n'a pas ces autres niveaux. Mais c'est un enfant, un éternel enfant. C'est pas parce que j'ai un père de 90 ans qui est religieux, qu'il est grand. Il est grand biologiquement, mais sur le plan spirituel, c'est un bébé. Donc tous les religieux, y compris les prêtres qui n'ont pas suivi, et même les évêques qui n'ont pas suivi la sanction au niveau des niveaux de connaissance que je venais d'énumérer, ce sont des éternels bébés. Ne les voyez pas avec les soutanes devant vous, et les prêtres avec les pasteurs avec les soutanes. Ils ne sont rien du tout sur le plan de la vraie connaissance sacrée. Donc, le religieux est donc celui qui est borné au deuxième niveau de connaissance, et la religion se limite donc au deuxième niveau de connaissance, c'est-à-dire l'opinion. On a dit que c'est pour ça que c'est la foi qui sauve là-bas, alors que celui qui a atteint le neuvième niveau, c'est la connaissance qui sauve. La connaissance des connaissances. Donc, la connaissance est donc le parachèvement du premier balbutiement qui part de la sensibilité en passant par l'opinion. De ce qu'on a dit, c'est-à-dire le religieux s'arrête donc au deuxième niveau et ne doit donc pas prétendre qu'il peut participer au développement. Maintenant, quand on a dit ça, on comprend que celui qui est spirituel, la spiritualité consiste donc à développer ces 9 niveaux de connaissance. D'où on va se rendre compte que celui qui parvient à découvrir la vraie essence des plantes, la vraie essence de l'eau, la vraie essence de la terre, la vraie essence du feu, la vraie essence de l'air, et qui parvient à comprendre qu'il y a plusieurs dimensions des réalités où il y a des êtres beaucoup plus lourds, et quand il monte, en montant, il va vers des existants beaucoup plus subtils. Et plus il monte, ces existants deviennent lumineux. Il va donc commencer à comprendre l'interconnexion qu'il y a entre le monde de la lumière et le monde de la matière. Et c'est à travers ça qu'il va découvrir les propriétés, notamment la propriété du feu, la propriété de l'air, la propriété de l'eau, la propriété de la terre, la constitution des atomes. Et tout ça. Et voilà la différence fondamentale qui est entre la religion et la spiritualité. Le spirituel est celui qui, à travers une expérience, accède à la science des choses. Et une fois qu'il a accédé à la science de ces choses, et je précise bien, il faut que j'apporte une petite nuance. La science telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans nos écoles, et la science telle qu'elle était pratiquée par les anciens qui ont construit les pyramides, et je précise que les pyramides, c'était des centres d'initiation qui connectaient les aspirants initiés aux forces de la terre, internes de la terre et aux esprits de la terre, et aux forces stratosphériques, c'est-à-dire aux forces de l'air, aux forces supérieures, c'est-à-dire du feu et de la lumière. Et c'est ça qui faisait donc pendant l'initiation, l'initié était appelé à suivre des accélérations de vibrations. Partant du champ magnétique de la Terre, parce que dans le sarcophage, il y avait interaction entre le champ magnétique de la Terre qui était absorbé par le pic de la pyramide, parce que la pyramide était comme ça et comme ça. Donc, la pointe de la pyramide enfoncée dans le sol absorbait le champ magnétique de la Terre, et la pointe de la pyramide vers le ciel, vers le haut, sur laquelle il y avait un cristal ou un diamant au sommet, poli de manière polygonale, absorbait donc les forces qui venaient d'en haut, et ces forces venaient donc se rassembler comme ça et comme ça, et ça donnait un équilibre. Créait un tourbillon, un vortex donc, et c'est ce vortex donc qui dématérialisait l'initié pour le propulser vers les sphères supérieures. Ceux qui ont réussi à réaliser ça connaissez les lois de l'électricité. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Dans les manuels d'égyptologie, on se rend compte que les Noirs avaient découvert l'électricité depuis longtemps. Assimilant nos ancêtres, ça veut dire... Voilà. Comment on dit ça? Ils savaient déjà compter la vitesse calculée. Voilà, la vitesse de la lumière. Et même ce qui allait plus vite que la lumière, parce qu'il y a un passage dans le livre des morts que j'ai apporté ici, où on parle de quelque chose qui va plus vite que la lumière. Mais c'est en 2005... 2008, non, comment? C'est en 2017 qu'on a parlé du boson de Higgs, c'est-à-dire ce qui va plus vite que la lumière et qui donne le poids à la matière. Mais ça, c'est récent. Mais dans nos textes sacrés, il y a ça. Mais les nègres ne connaissent pas ça, ils ne connaissent que la Bible et le Coran. Bon, maintenant, vous allez vous rendre compte des aberrations qu'il y a dans ces livres qu'on dit livres sacrés. Dans le Coran, on dit que le soleil tourne autour de la terre. Vous vous souvenez du débat que j'ai eu avec... un imam sur le panel d'une chaîne de télé bien connue. On peut citer son nom si vous voulez, Cheikh Ali, ou qui affirmait, les gens peuvent aller suivre cette émission sur YouTube, où on parlait de, je ne sais plus quel était le titre, il disait que le soleil tourne autour de la terre. Et je l'avais piégé en lui disant, tout à l'heure, comme le Coran dit que le soleil tourne autour de la terre, il va venir affirmer qu'effectivement le soleil tourne autour de la terre. Et malheureusement, quand il a repris la parole, il a dit, oui, toi t'as dit tout à l'heure que, comme le Coran dit, oui, effectivement, le soleil tourne autour de la terre. Mais tout le monde était au sol, même les téléspectateurs. Vous voyez donc qu'un livre peut receler un livre divin, inspiré par Dieu, a donc des mensonges comme celui-là. La même chose avec la Bible. On dit que l'homme est né en Mésopotamie, en Asie, c'est-à-dire là où le jardin d'Éden était. Là où coule le Tigre, l'Euphrate, c'est où? C'est en Irak, c'est en Syrie, c'est dans la zone-là. Et on dit que c'est là-bas que l'homme est né. Mais aujourd'hui, l'histoire démontre que l'homme est né en Afrique. Vous voyez que même la Bible manque. Donc, si ces livres mentent déjà sur ces choses-là, ça veut dire que même ceux qui disent que c'est la parole de Dieu, là, faites très attention. Faites très attention. Donc, si la religion, on montre que le livre mente sur certains aspects, on se rend compte que le religieux est un éternel enfant qui se limite au deuxième niveau de la connaissance. Il ne saurait donc contribuer au développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe, comme les gars ont cité les pays, disent que l'Argentine, bon, je précise d'abord que tous les pays de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, ce n'est pas leur territoire. Ce sont des Espagnols, ce sont des Portugais, ce sont des Britanniques, des Anglais, hein? qui ont migré et qui sont allés coloniser la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au Brésil on parle, au Mexique on parle, hein? En Amérique on parle, soit c'est l'anglais, soit c'est le portugais, soit c'est l'espagnol. Or, quand on parle de Rome qui récupère le christianisme à son compte, hein? Rome récupère le christianisme à son compte. Pas parce que la doctrine chrétienne, parce que l'élite romaine pratiquait le courant philosophique qu'on appelle le stoïcisme. Les empereurs romains pratiquaient le stoïcisme. Les grands intellectuels de Rome dans l'Antiquité tardive, c'étaient les stoïciens. Voilà. Et donc, qui sont donc les stoïciens? Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Kition, ce qui était un grec, autour de l'an 301 avant l'ère actuelle. Et donc, tous les intellectuels romains qui ont hérité de la civilisation et de la science et de la philosophie grecque, notamment Cicéron, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, et tous ces gars, c'était des stoïciens. Et donc, c'est eux qui instituaient les canons politiques, économiques et philosophiques. Parce qu'à l'époque, c'était la science sacrée. C'était pas la philosophie du raisonnement. C'était une philosophie basée sur la connaissance des lois de la nature. Et donc, c'est ça qui régnait donc à l'Empire romain. Et comme le mouvement chrétien, qui était un mouvement populaire, je ne vais pas revenir sur la naissance, parce que si vous voulez connaître la naissance du christianisme, allez dans ma chaîne YouTube et suivez la série de vidéos sur l'origine du christianisme. Là-bas, j'explique ça plus amplement. Ce mouvement populiste a donc commencé à menacer la sécurité de l'Empire. Et pour calmer les ardeurs, on a donc dit, bon, on prend ce que vous nous présentez comme idéal, mais en réalité, il structure, il donne donc une ossature philosophique. D'où vous allez retrouver dans le christianisme d'aujourd'hui, qui n'était pas le même que au 1er ou 2e siècle. Oui. Vous allez retrouver les éléments du néoplatonisme, notamment « Je suis dans le Père et le Père est dans moi ». Ça, c'est la doctrine de Plotin, la doctrine de la participation, parce qu'il parle des trois hypostases. Il parle de l'un, il parle de l'intelligence et il parle de l'âme. Voilà. Donc, c'est ça que les Romains, les intellectuels romains vont donc codifier sous la bannière de Constantin. Maintenant, les figures du christianisme, telles que le personnage Jésus, qui est un personnage fictif, on va lui donner une configuration des mystères de l'Égypte, mais avec un nom hébreu. C'est-à-dire pour effacer que ça vient des pharaons, que c'est la tradition d'Osiris. On lui donne donc un nom hébreu avec des qualités qu'on retrouve chez Osiris et tout ça. Par ailleurs, on va retrouver les éléments manichéistes, parce que même le manichéisme est récupéré par l'Empire romain. Il y a le diable d'un côté et Dieu d'un côté. Et jamais, ils ne vont jamais se réconcilier. Il y aura toujours un antagonisme perpétuel. Voilà, ça c'est la logique manichéiste, alors que dans la pensée africaine, le bien et le mal sont relatifs. Et le bien et le mal, à un certain niveau, c'est les deux faces d'une même... les deux pôles. Les deux, voilà. Qui permet d'avoir un certain équilibre. Équilibre. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Parce que pour connaître le bien, il faut que tu te brûles. Si tu ne t'es jamais brûlé, tu ne sauras jamais que quand je n'ai pas la blessure, c'est bien. Si tu n'as jamais eu faim, tu ne sauras pas ce que signifie manger. Si tu n'as jamais vu la mort, tu ne sauras pas ce que vivre signifie. Donc, voilà le sens des deux. En réalité, les autres appellent le bien et le mal. Mais chez nous, en réalité, c'est des facettes, des aspects de la réalité complémentaires. Les autres ont donné des qualificatifs de bien et de mal. Satan et Dieu. Voilà. Donc, voilà une conception manichéiste de la réalité, qui oppose des choses qui en réalité ne s'opposent pas fondamentalement, parce qu'elles sont liées par le principe. C'est l'élément qu'on retrouve dans le christianisme, qui a donc été hérité du manichéisme. Par ailleurs, il y a des éléments comme, si on te frappe à la joue gauche, tu tends la joue droite. Mais c'est la doctrine de quoi? C'est les éléments de la doctrine stoïcienne. Quand on dit, il faut être stoïque, ça veut dire supporter le mal qu'on te fait. Ça, c'est la philosophie stoïcienne fondamentalement. Moi, je parle maintenant en tant qu'expert. Ça dit que celui qui a fait ça pendant minimum 10 ans. D'accord, frère. Tu permets qu'on avance. Oui. Qu'on avance. Parce que tout à l'heure, tu viens de démontrer effectivement que la religion est dogmatique parce qu'elle... est infantilisante. Elle conditionne justement l'homme à une perception erronée de la réalité. De l'univers dans lequel, n'est-ce pas, il se trouve. Contrairement à la spiritualité qui élève l'homme à une certaine connaissance du réel. Du réel. Tel qu'il est. Connaissance du réel, tel que le réel est, mais pas un réel qui est conditionné justement par les êtres humains. Il était important de faire également je voulais faire une petite virgule parce qu'il y a la conception occidentale de la science qui est une conception matérialiste de la science. C'est-à-dire que ils ont, à l'école, à l'époque des Platon et des Pythagore qui ont fait nos écoles, il faut préciser que Pythagore a fait 22 ans d'études chez nous, en Afrique, Platon en a fait 12 ans, Eudoxe, qui était son confrère, a fait 13 ans, Euclide, le mathématicien, c'était... il est venu à l'école d'Alexandrie, il est venu étudier. Donc, en réalité, il n'y a pas un théorème d'Euclide. C'est le théorème égyptien. Il n'y a pas un théorème de Thalès. Il n'y a pas un théorème de Pythagore. Il faut même dire qu'on a les noms de leurs professeurs. On a les noms de ceux qui Sonkis, Seknoufis, Ionophis, tous les prêtres égyptiens. Là, ils donnent les noms des prêtres égyptiens qui ont enseigné Pythagore, Platon et tout ça. Donc, ils peuvent aller chercher par eux-mêmes. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de débat. Si ils veulent au moins chercher, non, c'est important. C'est important. Donc, la science est devenue, a dégénéré lorsque on l'a coupé de son volet spirituel. Justement, vous faites donc déjà le rapport avec la question que je venais vous poser. Voilà. Justement, le rapport entre la spiritualité, la science, la politique et même le développement. Voilà. Vous êtes en plein là-dedans. Donc, montrez d'abord que toute science, parce que le mot science vient du latin scientia, qui signifie savoir, connaissance. On ne dit pas foi, on ne dit pas croyance. Il faut que les gars comprennent très bien. Quand on dit science, on dit connaissance et savoir. Qu'est-ce qu'il connaît? C'est l'esprit humain. Mais l'esprit humain, est-ce que c'est l'homme qui fabrique son esprit? C'est l'esprit de Dieu, une parcelle de Dieu. Pour que les gens comprennent très bien. L'esprit de Dieu est comme un soleil qui émet plusieurs rayons. Et chacun de nous est donc l'un des rayons de ce soleil-là. Bon, ne réduisez pas Dieu au soleil visible que vous voyez. Parce que derrière le soleil visible que vous voyez, il y a encore un soleil plus grand. Et ce soleil, c'est la lumière noire. C'est la lumière noire. Parce que la lumière visible que vous voyez sort de la lumière noire. Et là, je parle, même les astrophysiciens, moi je ne débat pas avec les gens qui ne sont pas très cultivés. Même les astrophysiciens, s'ils nous écoutent, non, personne ne peut... Est-ce que ce n'est pas très prétentieux? Non, je dis... De ta part. Je dis, je ne débat pas avec les gens qui ne sont pas cultivés parce qu'ils nous perdent du temps. Les gens, il y a deux types parmi les gens qui ne sont pas cultivés. Il y a ceux qui ne sont pas cultivés et qui croient que leurs préjugés et leurs convictions sont des vérités. Il y a maintenant d'autres qui ne sont pas cultivés, qui aiment apprendre. Et c'est avec cela que je peux causer. C'est-à-dire que celui qui, en m'écoutant, même s'il ne vient pas vers moi, pas vérifier ce que j'ai dit. Qui perçoivent le réel comme le réel. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, on constate donc que la divinité qui est dans ce grand soleil invisible émet plusieurs rayons. Et chacun de nous est habité par l'un de ces rayons. Ça veut dire que la vie de Dieu est en nous. C'est pour ça que nous connaissons. C'est pour ça que nous pensons, c'est pour ça que nous émettons des discours, c'est pour ça que nous sentons et c'est pour ça que nous pouvons procréer. Parce que Dieu n'est pas séparé de nous. Nous sommes liés à Dieu, d'où le concept de religion est absurde chez le noir. On ne se relie pas, on se redécouvre tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on sombre dans les eaux, il y a une sorte d'oubli de ce qu'on est à l'origine et il faut maintenant qu'on sublime ces eaux pour que ces eaux deviennent à nouveau des lumières qui porte donc lumière sur ce qui est caché et ramène ce qui est caché vers la lumière et au-dessus de tout le monde. D'où la nécessité de l'initiation pour l'accès à la connaissance. La connaissance ne s'acquiert pas uniquement dans la lecture des livres. L'importance de la lecture des livres, c'est quoi? C'est de comprendre que ce que les autres ont écrit, ce sont les expériences qu'ils ont vécues. Et ils nous partagent leurs expériences. Afin que nous n'ayons pas l'impression un jour que lorsqu'on parle de ceci, nous croyons que nous sommes les premiers à parler de ça. Alors que quelqu'un avait déjà parlé de ça. C'est pour ça qu'il faut se cultiver dans la lecture. Et là, je suis en train de remettre en question et remettre dans leur place les pseudo-initiés qui critiquent les gens qui lisent les livres. Lire le livre, c'est chercher à comprendre que certaines expériences que tu vis, les autres ont déjà vécu ça. Et que certains sont même allés plus loin que ça. Et que tu peux apprendre de ce qu'ils ont fait, à travers les techniques qu'ils ont laissées. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se cultiver. Il faut se cultiver pour connaître ce que les autres ont fait. Donc, ça ne se limite pas là. Ça va aussi au niveau du rapport que nous avons avec le réel. Comment sentons-nous le réel? Ça va aussi avec les interdits et les permis que nos aïeux ont laissés. Ça va avec les rites quotidiens. Quand tu urines, il faut cracher. Pourquoi? Parce que le crachat est ce qui est l'énergie qui accompagne la parole et qui condense ce qui a été émis par nous. Donc ce n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas un geste anodin. Cette énergie, avec les intentions, en crachant, on dit, quiconque viendra prendre mon urine pour faire quoi que ce soit, qu'il n'ait pas accès à mes codes. Et ça se réalise comme ça. Parce que la parole est une énergie. D'accord, frère. Pour cette première partie, il nous reste 10 minutes. Vraiment, forcément, vous avez tellement de choses à dire là-dessus que on va faire forcément une deuxième partie. Mais on ne pourrait terminer cette émission sans aborder la question du conditionnement mental. Ouais. Parce que ce qui nous a poussé justement à faire cette émission, ce sont les téléspectateurs et nos nombreux abonnés qui estiment que certains pays européens et certains pays asiatiques, la plupart d'ailleurs, comme le Pakistan, l'Inde, ont également hérité de ces religions importées. Mais se sont développés et aujourd'hui sont très riches. Il y a certains qui vont même jusqu'à dire que en quoi est-ce que la religion peut constituer la cause de l'involution d'un État, d'un peuple. Pour qu'on soit assez clair et que ces téléspectateurs-là sortent de la confusion, je souhaiterais que dans les 10 dernières minutes qui nous restent pour cette première partie, que tu abordes justement la question du conditionnement mental. Oui, non seulement la question du conditionnement mental, mais aussi la possibilité de déstabilisation. Justement. Parce que la religion peut être un facteur de déstabilisation. Maintenant, je commence par la base. Ceux qui disent que l'Argentine, tout ça, ils sont chrétiens, l'Europe a hérité du christianisme, j'ai d'abord dit tout à l'heure là, que ce que vous appelez christianisme, les Romains n'y croient pas, les Occidentaux n'y croient pas. Et on va constater que la période où l'Europe était même trop chrétienne, c'était une période obscurantiste, où l'Europe était dans la pauvreté, dans la misère, ils mouraient de la peste. L'Afrique était plus développée que l'Europe pendant la période du Moyen-Âge, pendant la période des grands empires, l'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Benin, l'empire... Il suffit de redécouvrir l'histoire du Moyen-Âge, c'est-à-dire comparer l'Europe du Moyen-Âge à l'Afrique du Moyen-Âge. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. D'abord, quand Moussa était l'homme le plus riche du monde, c'était un noir. Donc, la même chose avec les pays asiatiques qui sont restés ancrés dans leurs valeurs et qui étaient des puissances. À l'époque, la Chine, pendant le Moyen-Âge, c'était une grande puissance. Effectivement. Donc, l'Europe se réveille comment ? L'Europe se réveille, ce n'est pas avec le christianisme. C'est le christianisme, d'ailleurs, qui a causé le déclin de la civilisation européenne. Parce que la civilisation grecque, avec les Platons, les mathématiciens et tout ça, les philosophes, et les Romains, les premiers Romains, notamment les Marc Aurèle, les Sénèque, tous ces intellectuels-là, lorsque la religion est arrivée, elle a commencé à combattre la philosophie, à combattre la science, à combattre les mathématiques. C'est la raison pour laquelle, vers l'an 500, l'empereur Justinien, l'empereur romain Justinien, décide de fermer l'académie de Platon, décide de fermer l'école d'Alexandrie, décide de fermer les grands temples d'initiation traditionnels, notamment les temples d'Isis, les temples grecs de Delphes, les temples de Samothrace, les initiations, ils ont fermé tous ces temples. Et il faut même souligner, frère, que les disciplines que tu viens de citer étaient même réfractées, n'est-ce pas, dans ces pays-là, contrairement à ceux qui disent, par exemple, que la philosophie est née en Grèce, et puis a été déportée en Afrique. Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que c'est plus tard qu'on va montrer que lorsque les Platons partent chez eux, ils ne sont pas acceptés, ils sont même persécutés. Voilà. D'où la mort de Socrate, et d'où la persécution de Pythagore et son école. Ça, on va revenir dessus. Mais je veux montrer qu'avec l'arrivée du christianisme, on arrive au 6e siècle où un moine chrétien, Cosmas, décrit la terre. Il dit que la terre a la forme d'un parallélépipède. Et qu'au nord, il y a une montagne vers laquelle le soleil se lève. Voilà la description d'un moine chrétien. Et les gens vont nous dire que dans la religion, il y a la science. Et nous, dans la spiritualité, comme on vient de le voir, il y a imbrication entre science et spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui produit la science. Mais dans la religion, on dit qu'il y a la science à part. Et la spiritualité à part. Dans la spiritualité, ce qui sauve, c'est la foi. Dans la science, c'est les réflexions des hommes. Voilà, c'est comme ça que les religieux raisonnent. Alors que dans la tradition, même à l'époque de Platon, on savait que c'est le spirituel qui contemple la réalité telle qu'elle est. Et qui la codifie et qui vient donc expliquer. Et c'est à partir de ces explications qu'on peut donc construire le réel, qu'on peut organiser le réel. Puisque comme la science émane justement de la spiritualité, voilà, forcément est au-dessus de la religion qui est un dogme. Qui est un dogme. Donc lorsqu'on constate que l'Europe sombre dans la décadence et donc dans l'obscurantisme, pendant dès le 6e siècle jusqu'au 12e siècle, et c'est au contact avec les Arabes. Lorsque les Arabes sont allés coloniser l'Espagne et beaucoup de pays là-bas en Europe, c'est en ce moment que les Arabes leur apportent des manuscrits de Platon, d'Aristote. Mais les Occidentaux sont étonnés que, mais ça c'est l'histoire de notre histoire. C'est en ce moment qu'ils recommencent donc à s'intéresser à la philosophie, à la science, d'où les travaux de Copernic, de Galilée, et plus tard, la période des Lumières. C'est pendant la Renaissance occidentale, suite au contact qu'ils ont eu avec la science, qu'ils ont commencé à se développer. Et je voulais terminer donc en disant très rapidement, pays comme les pays de l'Amérique du Sud, c'est l'Europe. Parce que ce sont les Espagnols. Et quand on dit Rome, c'était tout ça. C'était l'Italie, c'était la France, c'était tout ça. C'est les mêmes pays qui sont allés coloniser l'Amérique. Aujourd'hui, on nous a parlé de la Corée du Sud. Mais en Corée du Sud, le christianisme, le pourcentage du christianisme, c'est 26%. Le bouddhisme, c'est 15%. Le reste du peuple, les 49%, c'est des peuples qui pratiquent soit le confucianisme, soit le taoïsme. Donc, ils ne sont pas chrétiens. La même chose. En ce qui concerne le Pakistan, aujourd'hui, on va dire qu'ils pratiquent l'islam, mais c'est les mêmes peuples parce qu'on a montré que l'Iran, qui était la Perse antique, c'est tout ça, toute cette zone qui est donc allée influencer les peuples autochtones noirs qui étaient là. C'est de là que est né l'islam en contact avec la doctrine de la Torah, la doctrine de la Bible. Et donc, c'est des mêmes gens. En réalité, c'est le même socle, c'est les mêmes peuples. Donc, si le Pakistan... l'Iran et l'Arabie Saoudite et les monarchies pratiquent l'islam, c'est leur histoire, c'est pas la nôtre. Alors qu'on voit que l'Afrique aujourd'hui, étant chrétienne, musulmane, peut être déstabilisée, comme on l'a observé en République centrafricaine, anti-Balaka, islamiste contre chrétien. La même chose au Soudan, Soudan du Nord, Soudan du Sud, qui s'est divisé. La même chose au Nigeria, Boko Haram et les chrétiens. Donc on peut utiliser la religion pour déstabiliser un peuple. Et à cause même de la religion, l'homme n'a pas la capacité d'accéder à la science telle qu'on l'a développée pendant toute cette émission. D'accord. Vraiment, merci infiniment, frère Tott, pour toute cette science, n'est-ce pas, que tu diffuses dans le cadre de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs et à nos chers abonnés que ça, c'est l'acte 1, parce que je n'ai même pas parcouru la moitié de mon questionnaire. Voilà. Donc, on reviendra forcément pour l'acte 2, parce qu'il est important de diffuser cette science-là pour le bonheur des téléspectateurs et pour une connaissance autre que ce que on nous enseigne dans les livres qui peignent l'Afrique autrement, dans les livres sacrés, entre parenthèses. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin, n'est-ce pas, l'acte 1 sur la thématique religion et développement, le cas du christianisme et l'islam. Jeunes Africains, armez-vous de science jusqu'aux dents. Car si vous ratez d'unir le continent, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. À très bientôt pour Acte 2.